Salut à tous, c'est Baïsanka, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite. Hier, on a eu pas mal d'informations sur la saison 4 du chapitre 3 qui va arriver le 18 septembre. En tout, 4 teasers et plusieurs phrases qui vont expliquer un peu ce qu'on peut voir dans les teasers. Et ça va parfaitement avec la toute première image, premier teaser que Fortnite nous a partagé il y a quelques jours et que je vous mets à l'écran. Cette fameuse main qui est du coup en train de ressortir ou d'entrer dans du liquide. Beaucoup ont directement pensé à du chrome. Vous allez voir qu'on a aussi une petite théorie là-dessus que je vous expliquerai en fin de vidéo. Là, on va déjà voir les teasers et essayer de les expliquer. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de la pluie de Fortnite. Gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code Baïsanka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas le concours Astro Gaming dans la description. Vous pouvez gagner des jeux, des V-Bucks, des cartes PSN, Xbox, Nintendo, tout ce que vous voulez. Et ça tombe parfaitement pour le début de la nouvelle saison. Donc tout est dans la description et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc pour commencer, je vais vous mettre le premier teaser qui est sorti sur le site de Fortnite, une simple image du coup avec le nom, le thème de la prochaine saison, on voit aussi un peu les codes couleurs, mais aussi un son vraiment spécial qu'on a mis au spectromètre, après je vous montrerai du coup le résultat. Si jamais vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà pour le premier teaser, ça présente un peu la nouvelle saison qui va arriver, on le voit le 18 septembre, Fortnite Paradise, donc à mon avis en français on aura le nom de la saison qui sera Paradis. Ça nous dit pas exactement sur quoi sera penchée la nouvelle saison, pour l'instant c'est simplement un nom comme ça, à voir ce qui arrive après. Par contre, au spectromètre, alors je vous mets l'image juste ici, vous avez été beaucoup à me le demander, on n'a rien trouvé. Même en zoomant, en changeant un peu la luminosité et tout, on voit rien de spécial au spectromètre. Ensuite, on a eu aussi, alors avant de vous montrer les trois autres teasers qui sont un peu spéciales, je vais vous montrer des messages que Fortnite a programmés sur Telegram, qui sont censés sortir dans quelques jours, à mon avis, les premiers teasers pour la saison 4, mais qui ont du coup fuité puisqu'ils ont été programmés et le bot les a leak. Donc on voit ici les messages, donc Fortnite Chrome Consumer, on voit en français que la phrase, enfin en anglais que la phrase que Fortnite doit tweet, ça sera Chrome will consume all, Chrome will be all. Donc Fortnite Paradise, super anglais, je le sais, mais en gros, le Chrome va tout consumer, le Chrome et tout. Donc ça va assez bien avec la phrase, enfin avec l'image que je vous ai montré, que je vous remets ici à l'écran. Première image vraiment que Fortnite a teasé sur la saison 4, et cette phrase, que le Chrome va tout consumer, qui est censé sortir dans quelques jours, ça va vraiment avec les teasers spéciaux qu'on a vus hier qui ont leak. Donc je vais vous mettre les trois teasers à la suite, normalement vous allez voir c'est un peu la même chose, c'est des teasers qui ne sont pas sur du gaming, c'est vraiment des teasers IRL avec des vrais acteurs, et à chaque fois qu'ils vont utiliser du coup un produit, là on va avoir le petit truc qui est relié avec le message de Telegram, le Chrome consomme tout. Le mec qui va verser du lait dans ses céréales, les céréales vont se transformer en Chrome. La femme qui va s'amuser à arroser son plant de tomates, les tomates vont se transformer en chrome. Et dernier teaser, du coup c'est la personne qui va se mettre de la crème sur les mains, elle va avoir les mains qui se transforment en chrome. Donc je vous mets tous les teasers, n'hésitez pas à me donner un peu vos avis là-dessus dans les commentaires. Ce que vous pensez aussi de ce genre de nouveaux teasers, c'est assez rare d'avoir des teasers IRL pour un jeu vidéo. Donc franchement, ça change un peu, on a été assez surpris de voir ça, franchement. Encore une fois, j'ai envie de dire, et je le dis assez souvent à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, mais encore une fois, surpris du coup du changement d'Epic Games pour ces nouveaux teasers. À chaque fois, ils arrivent à innover et à nous surprendre. Donc, je vous mets les teasers et on se retrouve juste après. Willow here with my best organic pesticide for your fruit. Bugs, be gone. Malibu Amy here, and I just got the best ever of Course Organic Moisturizing Serum Supply Drop. Check this out. Donc voilà pour les trois teasers qui ont leak hier soir. J'ai essayé d'analyser un peu image par image, voir s'il n'y avait pas des petits indices, des petits secrets cachés dans ces teasers.
qui pourrait annoncer peut-être des nouveautés pour la nouvelle saison, à part sur le teaser du coup, et c'est même pas vraiment un secret, mais du mec qui verse le lait dans les céréales, on voit le paquet de céréales qui s'appelle Lamaos. Ouais, j'ai rien trouvé de... J'ai pas trouvé de petits détails, de petits secrets, d'easter eggs cachés dans les teasers comme normalement on a pour annoncer les nouveautés, voire les nouveaux skins qui arriveront dans le pass de combat et la nouvelle saison. Par contre, beaucoup m'ont proposé une petite théorie. La dernière fois qu'on a parlé de Chrome sur Fortnite et dans les saisons, c'était pour le skin Assassin de la Flèche. Rappelez-vous, quand on avait la flèche sur le Battle Royale, je remets 2-3 images, on a eu du coup le skin Assassin de la Flèche dans le pass de combat, et on a eu énormément de variantes pour tous les skins cette saison, dont la variante que je vous mets ici à l'écran, Assassin de la Flèche en Chrome. Donc c'est peut-être simplement un pur hasard, ou alors peut-être qu'on va repartir un peu dans le passé, et revenir sur cet épisode de Fortnite, où on a eu du coup l'Assassin de la Flèche, et tous les secrets qui tournaient autour de ça. Pour l'instant c'est qu'une théorie, mais c'est un des éléments qu'on a réussi à relier au teaser de la saison 4, sur un truc qu'on avait déjà eu dans le passé sur le jeu. Voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ces infos et ces teasers vous ont plu et vous hype pour la nouvelle saison. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite, et n'oubliez pas aussi le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description, si jamais vous voulez avoir une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.